j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore en quarantaine et puis on a trouvé une liste, en fait, moi et ma sœur, d'activités à faire pour passer le temps en quarantaine. Puis on s'est dit qu'on en essaierait le plus possible en une journée. On a une liste de 19 idées. On commence avec quoi, Marie? Numéro 1 sur la liste, c'est de méditer ou de faire du yoga avec une vidéo Donc j'ai sélectionné une vidéo, je vais laisser le lien dans la bio si jamais vous voulez aller l'écouter puis le faire avec eux. Fait que on va s'y mettre. What? Oh mon orteil! C'est très relaxant à date. Je sais pas si c'est confortable. Je suis même pas dans le cadre! Je parle du matin, t'es même pas dans la fucking cadre de la caméra. Attends, c'est quoi ça? Elle fait juste un côté de chaque. Je comprends pas pourquoi on fait pas les deux côtés. 6 minutes et 2. Alright guys, on a fini notre petit 10 minutes de yoga. Je me sens pas nécessairement mieux, je dois dire. Mais c'est une chose de fait sur la liste. Donc là, on va passer à l'activité numéro 2. Numéro 2 sur la liste, jouer à cache-cache. Alright, donc Rowan va être caché seul, ma soeur seule. Et eux ensemble, la team de feu. Fait que je commence à compter. 1, 2. Tu vas te cacher où avec le petit? Précieux, pas de pas con. Alex, il restera pas là. Alex, Alex, tu me fucking. Hey, t'as perdu 30 secondes de ton temps pour ça. Moi, tout faut que je me cache en vrai. 30. Ok, je vais me cacher en dessous de l'escalier. 61. Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? C'est vraiment trop long. 90! Wouhou! Pour ceux qui disent que la fille de XOXO est pas smart, je suis capable de compter jusqu'à 90, guys. OK! Oh mon dieu, je viens d'entendre Freddy en bas. Fait que j'imagine qu'il y a un petit bébé en bas. Y a-tu un bébé dans la sécheuse? Attention! J'entends rire, Alex! Dans la table de ping-pong, c'était full une belle casquette. Je pense que ma tante, c'est pas une dirigeante nazie parce qu'elle serait mort. Ok, elle a trouvé Alex Pivretti. J'espère juste qu'elle va remonter en haut avant de checker ici. Non, c'est bien trop petit en dessous du lit. Fait qu'il reste juste en haut. La cuisine. Ok, bon ben là, guys, il reste deux chambres. Voyons voir. J'ai peur, là. Ah! Je vois quelque chose! Zut, tu m'as trouvé! Bon, ok, reste Marie. Anne-Sophie vient trouver Rowan en haut dans la chambre à Freddy. Puis là, elle va se rendre compte qu'elle sait pas où je suis où. Ha! Y'a pas d'en dessous de lit. Ça veut dire qu'il reste une place. Marie est pas là! What the hell? Hey, je regarde. Oh! Mais non, elle rentre pas là-dedans. Elle rentre pas là-dedans, ça c'est chiant. Mais non, mais c'est petit! Ça se peut pas. Il aurait pas été malade qu'elle soit là-dedans. Ça veut dire qu'elle est en bas, puis je l'ai manqué. Ça se peut quasiment pas. C'est une trappe? Est-ce que vous avez un en-dessous? Oh my god, vous avez une trappe Harry Potter? Ah! Marie, je t'ai trouvé tellement beau! Hé, hey, c'est trop une bonne cachette! Ben, t'as clairement gagné le cache-cache. Honnêtement, c'était vraiment plus le fun que je pensais que ça allait être joué à la cache-cache. Fait que, essayez-le chez vous, pourquoi pas. Puis si vous êtes seul, ben là... Cachez-vous tout seul. Ah, ok, c'est quoi le prochain truc sur la liste, là? Alright, un autre truc que vous pouvez faire, c'est de regarder des vieilles photos. Fait que là, je suis chez ma sœur, puis elle a un album de photos de quand on était jeune. Fait qu'on va les regarder, puis on va se faire un petit voyage dans le temps. Oh my god, c'est moi ça, là, ce petit gars-là, là, c'est moi. Ça, c'est mon frère. Arc, nos doigts sont dégueulasses, Marie. C'est que ça, c'est mon frère. Puis ça, c'est ma sœur. On est cute quand même, sauf moi. What the... Ça, c'est la fête à quelqu'un. Ah tiens, ça, ici, ça, c'était ma fête. Ça, c'est mes 10 ans à moi, avec Anne-Sophie. Arc, j'ai encore l'air d'un petit gars. Oh, là, tu t'en viens plus vieille. Jack, c'est ici, cette même journée-là avec toi. Moi qui throw a gang sign, genre. Brou, brou. Mais ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est faire un scrapbook. Je viens d'y penser, là. Moi et ma soeur, on faisait ça avant. Fait que là, c'est déjà le temps de passer à la prochaine idée d'activité. C'est quoi? Du bricolage avec des trucs recyclés. Vrai. Ça me tente pas. Ça me tente tellement pas. Donc là, on va utiliser des items de recyclage pour faire des décorations. Pas des décorations, des, bricolage. Du bricolage. Fait que là, chacun va prendre un item, puis on va... Alex, de recyclage? What? Oh, il y avait plein de... Alex!
Tiens, j'ai un nouveau bracelet, guys. Ok, la prochaine étape, c'est une activité que moi j'affectionne tout particulièrement, lire un livre. On va pas lire un livre à caméra. Tu sais, non, mais c'est une activité, t'es pas obligé de lire au complet à la caméra, mais c'est lire un livre. Je connais un bon livre de lire. Caillou Aubin! Oui, Freddy, c'est ton livre. Caillou Aubin, c'est l'heure du bain. Caillou a besoin de ses bons hommes. Pourquoi c'est écrit de même? Une éponge? Ok, ok. Bon, ben on a lu un livre. Bing bang, next, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine... Oh my god! La prochaine activité qui pourrait vous occuper en quarantaine, que ma soeur a insisté pour mettre sur la liste, c'est de faire le ménage de votre chambre. Sérieusement, ça me tente tellement pas. Je vais vous montrer la chambre, ok? Attention. Voici notre chambre. Fait que je comprends un petit peu pourquoi ma soeur veut que je fasse le ménage, mais comme... J'ai amené genre des petits manteaux cute, comme si genre j'allais quelque part. Anso, qu'est-ce que tu fais? Guys, regardez ce que j'ai apporté à Québec. Est-ce que... Oh! Est-ce qu'on devrait l'écouter ensemble? Si jamais ça vous intéresse qu'on fasse des lives puis qu'on réagisse ensemble aux émissions de Mixmania, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Alright guys, êtes-vous prêts pour le reveal de la chambre? On voit le plancher, guys. What is this? C'est comme une chambre différente. Nos manteaux. Oh my god, Momo's butt. On va se faire démonétiser. Oh my god! Bon, fait que là, on a un truc de plus de cocher sur la liste. On va aller voir c'est quoi le prochain. Yes! Ok, un autre truc pour passer le temps que ma soeur et moi, on a trouvé sur un site, c'était de regarder les oiseaux. Le premier qui voit un oiseau, guys. Yes! Oh shit! La caméra est trop longue! Alright, ok, on a regardé les oiseaux. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est que je sais que là, on peut pas voir nos amis, mais d'appeler des gens en FaceTime, c'est une bonne façon de rester connecté à eux. Puis moi, c'est le genre de truc que je fais jamais, que je suis vraiment poche pour rester en contact avec des amis, à texter le monde, à les appeler. Fait que je me suis dit que j'allais appeler Thomas en FaceTime. Thomas, que vous connaissez sûrement, il est souvent dans mes vlogs. Fait que je vais lui donner un petit appel. Alright, Thomas. Oh, what? Thomas, t'as rien d'autre à faire, on est tous en quarantaine, pourquoi tu réponds pas? Alright, là Thomas m'appelle pendant que je regarde le bébé. Allô? Hey, ça va bien? Oui, toi? C'est qui ça? C'est mon oncle Toto? Oh shit, ok, bon, il est en charge du téléphone maintenant. Bon, j'ai fini l'appel FaceTime, puis c'était vraiment le fun de lui parler. Ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas parlé. Fait que là, je vais me faire à dîner, en fait, parce que j'ai faim. Et puis, on reprend les activités après dîner. Puis aussi, je me suis changée parce que ce matin, j'étais genre habillée en vêtements de sport juste pour faire le yoga. Finalement, je suis restée là-dedans toute l'avant-midi. Fait que là, il était temps que je m'habille. OK! Alright. Prochaine activité! C'est de faire des avions en papier, puis de faire une course pour voir lequel de vos avions va le plus loin. Anso? Petite question. Si on sait pas comment faire un avion en papier... Ça va faire partie du... Tu peux pas checker ça sur Internet? Nope! Ça, ça fonctionne aussi. De quoi? C'est pas un avion. Ça fait bientôt 4 minutes, les amis. Fait... What? On va se le dire, là, c'est plutôt rare, mais là, je pense que Rowan est bien parti. C'est vrai que ça a l'air... Qu'est-ce que tu fais? OK. Qui fait du sens. Parfait. On va faire la compétition. Oh! OK, c'est bon. OK. Ah! Oh! Alex. Encore pire que moi! Je fais un deuxième essai. Ok, il recommence. Non, vraiment, c'est assez. Kudos pour l'avoir décoré en plus. J'ai beaucoup d'expérience avec les avions en papier. C'était une des choses mes plus préférées comme enfant. Juste lance les papiers. Oh! All right! Prochaine activité! Bon, une autre idée que ma soeur a eue, c'est de faire un casse-tête. Oui! Fait que j'imagine qu'elle a quelque chose en tête pour nous. Oh! Ouais! Casse-tête, après dit! C'est pas un casse-tête, ça! Il est écrit sound puzzle dessus, ça le dit, c'est un casse-tête. Ça va être deux! Ah, oh, ça, c'est une vache. Une vache, ok. Oh, et un cochon? Ouais!
T'as reconnu? C'est genre une vieille sorcière qui rise pas un cochon. Le prochain truc sur la liste, je pense que Freddy, ça a pas l'air de trop lui tenter, mais c'est d'aller prendre une marche dehors. Hey, il fait tellement beau dehors. Ça fait genre toute la semaine qu'on n'est pas sorti parce qu'il faisait pas beau. Mais c'est important, guys, allez marcher dehors, ok? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des activités, mais on a le droit de sortir, marcher. Ça va. Puis ça fait fucking du bien, ouais, là. La neige, ça fond. Ben là, on est à Québec, il y a tellement plus de neige qu'à Montréal. Ouais. C'est fou, là. Mais comme tu sais, il y a des activités qu'on fait aujourd'hui, clairement, genre, c'est, tu sais, comme cache-cache, là. C'était le fun. Qu'est-ce qu'il fait, lui? La montagne! Ouais, mais tu sais, il y a plein, comme mettons le cache-cache, là. C'était le fun. Mais c'est sûr que tu peux pas jouer à ça indéfiniment parce qu'à un moment donné, tu connais ta maison, puis tu sais, c'est tout. Ça risque de se faire mal. Mais ouais, il y a d'autres activités comme aller prendre une marche, que ça, c'est, tu peux faire ça à chaque jour. Tu peux faire ça deux fois par jour si t'en as besoin. Oh my god, guys, checkez, c'est tellement un gros arc-en-ciel. Je savais même pas que les gens faisaient des arc-en-ciel. C'est mes parents qui m'ont dit ça il y a pas longtemps. Ils ont dit que c'est pour comme faire sourire les gens, là, pour qu'on se sente moins seul pendant cette période. Il y en a un autre là-bas, là. Je sais pas si on fait ça à Montréal, hein. Oh, il y en a un petit là-bas. Il y en a partout, c'est trop cute. Alright, donc la prochaine activité sur la liste, c'est de faire des dessins. Et puis, vu qu'on a pris une marche et qu'on a vu plein d'arc-en-ciel, ça nous a donné l'idée de nous-mêmes faire des arc-en-ciel. Connais-tu les couleurs? Je sais même pas c'est quoi l'ordre de l'arc-en-ciel. Ouais, non plus. Cela, on dirait un adulte qui dessine, puis cela, on dirait un enfant qui dessine. Oh. Bon, elle finit là. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école aujourd'hui qui dit c'est quoi la prochaine activité. Je vais essayer si c'est bien fait après. Donc, je dois dire que les deux sont très beaux. Merci. Je trouve que ça a l'air triste que les nuages soient gris. Parce que le but, c'est de rendre les gens plus de bonne humeur. Puis ça sache que ça va bien aller. Ouais. Mais très beau, je pense qu'on va les installer dans la fenêtre. Oui, on va les mettre dans la fenêtre. Et voilà. C'est cute! Honnêtement, je pensais pas aimer ça, mais c'était vraiment le fun pis c'était vraiment relaxant genre à faire des dessins. Puis en plus, ça va faire sourire des gens qui passent dans la rue. Espérons-le. Exactement. Et c'est ça la raison. Donner l'espoir aux personnes qui ont avoir une tombe Dieu. Oh. Words. Alright, la prochaine activité sur notre liste, c'est de cuisiner ou de faire des gâteaux. Et là, ce qui est triste, c'est qu'il nous reste juste un. Mais on a trouvé une recette de mug cake. Fait que c'est genre un gâteau dans une tasse, puis ça prend juste un œuf. Fait que c'est ça que je vais faire pour aujourd'hui. Ok, donc le premier ingrédient, c'est un quart de tasse de farine tout usage. Moi, je la prends sans gluten. Une cuillère à soupe de poudre de cacao. Une demi-cuillère à thé de baking powder, 2 cuillères à soupe de sucre. Oh my god, ça a comme senti du sel pendant une seconde. J'ai du sel dans mon truc, mais non, c'est du sucre. Ok, fait que ça c'est pour les ingrédients secs. Fait que je vais mélanger ça. Après ça, ça dit de mettre un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère de lait. Donc, on va juste tout mélanger ça. Ok, Marie, mets du chocolat là-dedans. Pas dans ta bouche, dans la... Fait qu'on va mettre ça au micro-ondes. Ça dit de mettre au micro-ondes 1 minute seulement. Wow. Fait que c'est vraiment pas long. Ouh. Hey, c'est pas prêt pendant tout ça. Hein? Oh my god! Est-ce que c'est prêt? Mais oui! Ça avait l'air pas cuit, mais c'est cuit. Oh! Ouh, elle a pas l'air convaincue. Ça goûte un gâteau pas de goût, genre. Qu'est-ce que t'en penses, Zen? C'est bon, mais c'est pas comme... Bon. Alright, next sur la liste, il faut faire un dance party, guys. Vous pouvez vous inventer un dance party, même si vous êtes seul chez vous, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que je vais être démonétisée si on joue une tune en particulier. Fait qu'il va falloir mettre ma propre tune. En plus, ça fait brûler des calories, c'est comme une petite session de sport. Bon, là, un autre truc qui est sur notre liste, qui est pour moi et Marie, puis qu'on a vraiment besoin. Prendre soin de soi. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai l'impression que vu qu'on est en quarantaine, on a tellement de temps mort qu'on vire fou à rien faire, mais qu'on prend pas le temps
de prendre soin de toi. Puis dans le fond, c'est le temps parfait parce qu'on n'a rien d'autre à faire que ça. Ouais. Puis il y a beaucoup aussi de choses qui passent, tu sais, par rapport à la productivité. Puis il faut en profiter vu qu'on n'a rien à faire. Peut-être du ménage, apprendre une nouvelle langue, plein d'affaires. Puis t'es comme, on a-tu vraiment besoin absolument d'être productif? T'sais, c'est correct aussi de genre avoir des petits moments où est-ce que notre santé mentale en prend un coup, puis de prendre une pause, puis relaxer. Genre. Donc, Marie va se faire un masque pour aujourd'hui. Et puis moi, j'ai des ongles que je m'étais acheté. Je me rappelle même plus pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que c'était pour l'Halloween. Puis je les ai jamais mis. Voyons. C'est qui? J'aurais pas le choix de rester ici. Freddy va capoter si vous voulez. C'est vrai que tu fais peur. Pas même Freddy. On a appelé Freddy pour notre idole de Freddy Mercury. Mais là, je reprends ça en plus à Freddy Krueger. Ils sont tellement cute. Ils sont genre... T'as pas là, faut pas que je le mette croche là. Moi, apparemment, j'ai commencé à me ronger les ongles à cause d'elle. Parce qu'on me dit que quand j'étais jeune, je faisais tout comme elle. Puis elle a se rongé les ongles. Fait que moi, je me rongeais pas les ongles, mais que j'étais comme, oh my god, moi aussi, je veux me ronger les ongles. Puis j'ai commencé à me forcer à me ronger les ongles. Puis là, je suis pognée avec ça. Bon, ben, vous pourrez sans doute pas voir la différence, considérant que ça change absolument rien pour le fait que mes cheveux sont plus échevelés, là, mais. Voilà! I'm glowing! T'es une personne complètement changée. Tantôt, on était stressés puis on courait partout. Puis là, le fait que, genre, on ait pris le temps de faire ça, juste ce petit moment, 15 minutes de relaxation, c'est le fun. Fait que... Ah oui, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Nice, je suis contente. Alright, guys, j'ai mes 10 doigts de fait. Oh my god, c'est tellement long. Oh, j'ai encore l'air d'avoir plus de longs doigts que d'habitude. J'ai l'air d'un alien. Oh! J'aime ça. C'est un de mes trucs préférés à date sur la liste. Je vous conseille vraiment de le faire. Puis genre, vu qu'on a du temps, c'est genre le truc que vous pouvez legit faire à chaque soir. Là, t'sais. Il y a une soirée où est-ce que tu peux te faire des ongles, une soirée un masque, une soirée tu prends un bain, une soirée tu fais de la méditation. T'sais, tu peux étaler comme ce moment de bien-être puis avoir un petit moment pour toi à chaque jour. Ça, je pense que je vais commencer à faire ça vraiment parce que c'était vraiment le fun à faire puis c'est vraiment relaxant en fait. Bon Marie, c'est quoi la prochaine étape sur notre liste? Faire une cabane en couverte. Yes! Là, je suis un petit peu inquiète parce que quand on était petits, nous autres, on faisait souvent ça avec notre frère qui est maintenant ingénieur. Oui. Donc, qui nous dirigeait pendant qu'on faisait pas grand chose. Bref, fait qu'en tout cas, on va mettre nos talents à l'épreuve, voir si on se rappelle un peu de ce qu'il nous enseignait. Alright, c'est quoi la logique, là? Comment est-ce qu'on s'y prend? On n'a pas réfléchi à comment qu'on faisait ça en ce moment. Parfait, on peut passer en dessous. Ah, hey, c'est sérieux, là? Non, non, ça, non. Quoi? Non? Bon, Alex a l'air de s'opposer à notre concept. Trop facile? Si t'as une meilleure idée, prière de venir nous aider. Bon, je m'en ai ça. Freddy, regarde ce qui t'attend dans le futur, des belles maisons. Oui! Papa. C'est ça? On utilise Freddy comme excuse, mais dans le fond, c'est vraiment nous les enfants. Dans le fond, on est juste en train de faire sécher une couverte, là. On pourrait aussi taper la couverte au plafond. Au plafond. Marie, c'est pas... Guys, on est en train de compléter la cabane. Et là, on va vous révéler l'art complet. Checkez ça! C'est couvert de partout. Est-ce que tu fais du fun, Freddy? Oui, j'ai le fun. Encore une fois, quand on est arrivé à cet élément-là de la liste, on était comme... On a vraiment décidé qu'on faisait une cabane, puis on était comme, oh, on skip-tu, puis ça, puis finalement, c'était tellement le fun. On se fait, mais c'est vous ça! Avez rien fait. On a rien fait, c'est peut-être I ça. I did the whole thing! Et c'est fucking réussi, moi, je trouve. Oui, vraiment! Ok, tout le monde dans la cabane! Et voilà! 1, 2, 3, 4, 5! On est prêt à écouter notre film, ce qui est le prochain sur la liste. Oh, babe, t'es allé chercher nos enfants. Ouais, vous voulez venir assis. Venir aussi. Donc là, le prochain truc, excusez, je suis comme obsédée avec mes ongles. Le prochain truc sur la liste, c'est d'écouter des films. Donc là, vous pouvez réécouter Mean Girls pour la 100e, 1000e fois, si vous voulez. Vous pouvez écouter des séries. Dans notre cas, vu qu'on est dans une tente avec la douillette d'Aladin. Ouais. Aladin. Est-ce que tu fais du fun, lui? Oh, maman! Un autre truc à faire, vous pouvez jouer à des jeux de société. Guys, et voilà. Là, nous, on joue au Joffre, qui est un jeu... Pas Joffre?
Joffre? Je pense que c'est Joffre. C'est tout le Joffre, mais moi je suis la majeure. Joffre? C'est George? George? Je pense pas, non. Droit de réplique. Toi, là, tu viens clairement pas de Bellechasse. Je suis un jeu de cartes natif à la région de Bellechasse. Fait que si vous connaissez pas ça, ben allez vous acheter un jeu dans un dépanneur de Bellechasse. Ouais, c'est honnêtement vraiment le fun. ouais, même Freddy trouve ça le fun. Ouais. Freddy, t'as régurgité partout, Arc! Alright guys, premièrement, j'ai perdu 3 ongles dans la game. Mais aussi, je veux juste dire que moi et ma soeur, on a gagné à 41 à moins 11. Je veux juste dire ça de même, là. Ça veut rien dire si tu parles pas des barèmes pis de comment gagner à la game. C'est pas grave, ils ont pas besoin de savoir ça, ils ont juste besoin de savoir que we rock. We rock. Gna, 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 avec 2 ongles, je me sens quand même badass. Lui en plus, ça vient de tomber. Whatever. Alright guys, il est 9h30 en ce moment. Ça fait plus que 12 heures qu'on fait des activités pour passer le temps, ça n'a pas de bon sens. On est tellement fatigués, mais là, il reste un truc sur la liste, donc on va le faire, et c'est de faire un Lego. Donc, on va aller se choisir un Lego, puis j'ai quelque chose à vous montrer. Alex, tu veux nous faire rentrer dans ton shop? Bienvenue dans mon shop. Ça s'appelle Dark Side of the Bricks. J'ai un Lego shop, guys. Guys, on peut choisir n'importe quel Lego qu'on veut faire. Ouais, mais en fait, le plus cool, Rowan, puis moi, on l'a déjà spoté. Ok. What? C'est ça qu'on fait ce soir? C'est qu'on fait un fucking Millennium Falcon. Ouais. Je sais pas si on va le finir ce soir, mais on va clairement le commencer. Fait que si ça vous intéresse, guys, c'est sûr qu'en ce moment, là, son shop est fermé parce que à cause du virus, là. Mais une fois que la vente va être reprise, si jamais ça vous intéresse d'acheter un beau Lego, contactez-nous. Alright, on y va. Guys, la journée est enfin terminée. C'était tellement... On a tellement fait beaucoup de trucs et puis c'était vraiment, vraiment une belle journée. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire en quarantaine puis je sais que c'est dur en ce moment sur tout le monde puis ça peut être fatigant, mais comme prenez ce temps-là pour vous puis pour justement vous écœurer à rien faire pour que quand on puisse ressortir, vous vouliez être productif puis que vous ayez pris des vraies vacances à ne rien faire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vais continuer à faire des vidéos pour vous pendant la quarantaine pour vous divertir. Je vous aime fort puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.